C'est très difficile de faire des chansons populaires, je pense, parce que faire des chansons qui rentrent vite dans les têtes et qui plaisent à tout le monde et qui ne se démordent pas, c'est pas si évident. Quoi. Moi qui écris un peu, qui essaie de faire des chansons depuis des années, ça se fait pas comme ça. Quoi. Depuis 25 ans que je chante, je dois avoir plus de 2000 chansons. Après, bon, il y en a que je fais plus ou moins régulièrement. Des chansons que je ne peux pas enlever de mon répertoire, comme les Lacs du Connemara, les gens ils la veulent tout le temps, la fin du spectacle. Si je, le soir je la fais pas, et une fois j'ai essayé de pas la faire, je me dis ouais, tu as oublié de faire le Connemara. Tu m'as rappelé ton emblème entre ses larmes et son sourire, il n'y avait pas de frontière. J'ai toujours, alors, on chantait même en cours. J'avais pris des heures de colle parce qu'au lycée, on avait un petit magnétophone à cassette comme ça. Et je me rappellerai toujours avec un pote à moi, on écoutait Vieille Canaille de Gainsbourg. Tu vois, c'est pas un truc, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et c'était au lycée Joffre à Montpellier et on s'était fait coller parce qu'on écoutait ça pendant le cours. On l'avait planqué dans le cartable et on écoutait. On a toujours été. On allait piquer. Il faut le dire, normalement, on était jeunes, on allait piquer les cerises dans les arbres, dans les champs, on se mettait dans les cerisiers, on chantait. Moi, j'avais pas abusé à imiter Charles Aznavour. Enfin, je faisais. Imitation, tu vois, c'était comme ça, quoi, on rigolait. Puis j'ai eu la chance d'avoir ma mère qui écoutait beaucoup de disques, elle achetait tout ce qui sortait. Elle avait une bibliothèque, ça allait de Claude François, Julio Iglesias, tous les chanteurs de l'époque, dans les années 70, Jairo, des chanteurs. Et j'ai toutes ces chansons sont restées là-dedans, je les ai. Toute la musique que j'aime. Elle vient de là, elle vient de nous. Et on ne sent jamais les mêmes. Pour exprimer ce qu'il y a de nous. J'ai des joies, j'ai des peines. Et tout ça. J'ai surtout aimé dans les années 70-80, moi. Hein. Je reconnais que les derniers albums, j'ai un peu décroché. Parce que je trouvais que c'était un peu. Tu vois, si Obispo faisait un album, c'était, on aurait dit que c'est les chansons d'Obispo pour Johnny. Alors qu'avant, quand c'était Jean Renard, c'était Mallory, c'était Philippe Labro qui faisait les textes, Pierre Billon, c'était pour Johnny, c'était plus, tu vois, c'était plus, ça lui ressemblait plus, je trouvais. Après, il avait quand même des belles chansons, tu vois, mais je suis plus resté années 70, 80, Gabriel, la musique que j'aime, tu vois, Johnny, jusqu'à Goldman, jusqu'à l'album de Berger, Goldman, là, on dit quelque chose de Tennessee. Vers chez toi, je ne fais que passer sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Oh, oh, oh. Sur la route de Memphis. Tes chanteurs préférés? Bon, alors c'est Michel Sardou, puisque c'est un peu lui. C'est le premier chanteur que j'ai rencontré sur scène, à qui j'ai pu parler en 83 au Palais des Sports, grâce à mon ami René Coll qui l'accompagnait à l'époque. C'était un ami, il me faisait rencontrer. J'étais gamin, j'avais 16 ans. Hein, j'étais fan, je chantais pas encore. Mais c'est le premier chanteur que c'est le premier spectacle que j'ai vu sur scène. Puis après, j'aime beaucoup Daniel Guichard, François Valéry, Lee Mitchell, Johnny Hallyday, qui vient de nous quitter là, ce pauvre. Tous nos enfants sont désormais sans nous. Tu voulais m'épouser, quelle drôle idée. Tu n'avais pas 15 ans. Petit. Tu m'as rappelé ton grand-père. Salut, la belle image que l'on donne de moi. Ma gueule, Marie fidèle, etc. Ça doit sûrement nous amuser, nous savons mes fidélités. Ma seule histoire d'amour, c'est nous. We'll be right back.
merci pour la couverture. Je me suis éclatée. Il faut le dire aux journalistes. C'était magnifique. Ça vous a plu ? Oh là là, j'étais au fond. Ouais, ouais. J'ai chanté comme une folle. Nous aussi. Qu'est-ce que c'est qui vous a le plus plu ? Tout. Tout. Et il a chanté les chansons qu'on chantait à la chorale. Ben, Johnny et Sardou. Johnny et Sardou, oui. Johnny, Sardou, surtout Johnny. Moi, je suis née avec Johnny, hein. J'ai le même âge que lui. Ouais. Ah ouais. Je tiens bon. C'est le début du spectacle.